Si on galère à reprendre la DLC un peu, ce n'est pas justifié. Tout simplement. Aujourd'hui, pas notre production connaît toute notre vie, mais la chaîne, elle, a un peu peur de produire de la DLC à cause des petits scandales qui éclatent par-ci par-là, souvent concernant ces histoires concernant mon mari, qui sont faussées et faussées. C'est la fin de la GLC Family. Mauvaise nouvelle pour certains, très bonne pour d'autres. Jazz a annoncé l'arrêt de l'émission JLC Family diffusée sur TFX. C'est le cœur lourd que l'influenceuse a détaillé les véritables raisons derrière cette décision. En fait, je vais vous dire une dernière petite chose que dont je ne devrais peut-être pas forcément parler, mais dont je souhaite en parler. Toutes les personnes, donc toutes ces personnes des médias, tous ces trucs qui accablent tout le temps mon mari sans aucune raison, sans aucune preuve, sans rien. En fait, rien du tout, juste en utilisant sa gueule. Vous avez fait de la merde aussi dans notre vie, parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire un truc qui est vrai. Si on galère à reprendre la DLC un peu, ce n'est pas justifié, tout simplement. Aujourd'hui, pas notre production connaît toute notre vie, mais la chaîne, elle, a un peu peur de produire de la DLC à cause des petits scandales qui éclatent par-ci par-là, souvent concernant ces histoires concernant mon mari, qui sont faussées et fausses et... prouvé des milliers de fois. Donc vous imaginez que le fait que ces gens utilisent notre image à mauvais escient, ça met en péril et ça nous fait attendre de poursuivre la GLC qui est, je tiens à vous dire, pas arrêtée parce qu'elle ne marche pas, bien au contraire. Aujourd'hui, encore une fois, donc là je vais me faire tirer à balle, mais c'est pas grave parce que c'est une réalité. Quand même, Maman est célèbre, c'est arrivé après la GLC, ça a été un peu inspiré. Quand la GLC est arrivée à la mode, c'était les anges et les Marseillais qui étaient à la mode. Et la GLC, plus les anges, c'était les Marseillais, le reste du monde et la GLC. Aujourd'hui, les Marseillais eux-mêmes ont fait un truc, c'est la famille ou la family ou je sais pas quoi. Les Kevin et Carla, ils ont essayé de faire la Gage Family ou je sais pas quoi. Enfin, toutes ces choses-là, ils ont été inspirés de la GLC Family. Mais après, la GLC Family, c'est la GLC Family. Parce que nous, tout ce qu'on a montré, c'est notre réelle vie. On a réellement une vie de ce niveau-là, de ce train-là. On a accepté de faire le deuil sur nos, enfin, sur le, nos Snapchat. Laurent a fait le deuil sur son Instagram. Moi, j'utilise mon Instagram rarement. La vérité, je les utilise plus pour des petites collabs, pour montrer des trucs mignons, des restos, des hôtels, vous montrer des paysages, vous mettre des petites citations, mais je raconte plus ma life parce que j'ai plus le goût à ça. On est privé de notre émission alors qu'elle marche très bien, sans aucune raison. Donc en fait, juste le truc, c'est est-ce que vous pourriez nous lâcher la grappe? Ça serait génial. Et vraiment, on vous en remercie du fond du cœur si cela pourrait être possible. Parce que je pense que ce qui va finir, c'est que je vais juste sortir un gros billet de mon compte en banque et prendre un avocat. Enfin, j'ai un avocat, mais je sais pas si c'est ce genre de truc. Mais voilà, en tout cas, prendre mon avocat et attaquer tout le monde, en fait. Parce que ça devient du harcèlement contre Laurent et de l'abus d'image et de la publicité mensongère à son égard. Et j'en ai marre.